Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Récemment, on a parlé de la meilleure arme au corps à corps, donc le Renetti, le nouveau sniper, le Morse, et aujourd'hui, on va parler de la meilleure méta en mid-distance et longue distance, qui n'est autre que la SOA Subverteur. Comme d'habitude, moi je vous laisse sur le gameplay et je vous retrouve à la fin de la vidéo pour la classe. Et si jamais vous kiffez le gameplay, n'hésitez surtout pas à liker, vous abonner et mettre un commentaire. Et moi je vous retrouve en fin de vidéo. C'est quoi cette arme du démon? L'arme est boude. Oh là là. Le parachute de la moelleté. Sur le toit. Avec ta nouvelle manette, ouais. J'ai pile le nombre de balles, hein. Ah, il est mort par la frappe, lui. C'est ce qui fait un pack, t'as une manette, ouais. Partir à gauche. Ok. On a la thune pour colis. On est bien. Go colis. Un largage tactique approche de votre position. Trop fort, c'est vous qui êtes trop fort. Prêtez. Par contre, vraiment, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment modifié le sprint tactique, hein. Je trouve tellement plus lent qu'avant à reset. Mais d'où est-ce qu'il sort, frère? Y a pas un bruit quand même, hein. Oh là 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 là. Ce mec m'a tué au jeu vidéo. Oui. Ce mec là a pu me tuer au jeu vidéo, chat. C'est très grave. Personne ici? Plus que 25. C'est dingue comment ça joue en vrai là, hein. Tous dans des coins et tout là. En vrai, je trouve que la commu Warzone à l'heure actuelle, c'est tellement cancer à jouer. Ça campe dans tous les coins, ça bouge pas. En vrai les gars, vous en pensez quoi de Rebirth à l'heure actuelle? Vous trouvez ça bien, vous trouvez ça nul? Moi honnêtement, la map est bien, mais la manière de jouer des gens me dégoûte de la map. Regardez-le là, hein. Regardez comment il est. Franchement, je peux comprendre que des gens ne jouent pas à 10 heures par jour, ne soient pas extrêmement bons, ça y a pas de souci, hein. Mais jouer de cette manière, c'est chiant pour tout le monde.
Il est en bas. Elle est bien, éclate-moi le Fiac Kigou. L'enchaînement m'a fait rire, j'avoue. Ennemi déployé dans la zone. Surveillez le ciel. Alors, c'est bon. J'ai bien mangé là. J'ai bien mangé. Je me suis régalé. Petit buffet à volonté. Braderie activée. Les prix des stations de ravitaillement ont été ajustés. Ouh, 113 mètres, hein. Oui, oui. La SOA, c'est validé pour l'instant. Défi, fais-toi pas un cadeau dans le cul. Pour combien de subs, vas-y. 100 subs, je le fais là maintenant, je le fous dans le rectum au fond. Quoi? Bizarre. Bizarre. Le drone n'a plus de carburant. Retour à la base. Bizarre. T'es gourmand, Kigou? C'est pas l'adjectif que j'aurais exploité, mais oui. Regardez-le là en bas. Hein. Est-ce que vous êtes prêts? C'est barré où? Bah mon drone! Mon drone il fait acte de présence! On va te voir attendre! Attention, le drone quitte la zone! Sans sub, je pompe tous les gars du chat! Bizarre un peu. Bizarre la phrase, fais attention. Bizarre les gars, faites attention, l'ambiance elle est bizarre. La résurgence a été désactivée. Plus que 10, continuez comme ça. Il faut être sub pour donner un défi. Alors en gros, non, en gros, Mosquito pour les défis. Tu sais, je fais le principe normal, genre tu peux me donner un défi, genre contre un sub, un euro, un truc comme ça. Tu sais, genre t'as pas besoin de mettre de la thune, on va dire, mais... Globalement, tu vois, genre juste pour un sub, ton défi, je le fais direct. Globalement. C'est comme ça que j'ai toujours fait en live. Sinon, je me retrouve avec 1 milliard de défis que je ne peux pas faire en live. Et c'est un peu problématique. Du coup, en même temps, moi, ça me fait des petits gameplays pour YouTube et tout. Hostile a été déployé. Attention, le drone quitte la zone. On demande un survol de reconnaissance. Un V1 V1.
Y'a un truc qui me dérange, c'est l'hélico que j'ai vu fly tout à l'heure. Pour moi, les deux seraient prison, il y en avait un qui était tunnel de base. Et l'autre serait sur le toit du coup. Un V1. Ah, franchement, la SOA est très sympa là. Hein. Et re tout le monde les gens, un gros top 1 avec la SOA Subverteur. Et vous l'avez vu, pour de la moyenne distance et de la longue distance, l'arme est juste excellente. Du coup, voici la classe, on va l'équiper de cette manière. En bouche, on mettra le frein de bouche casu. En canon, le canon long 2h90. En accessoire canon, la poignée lourde au soutien bruyenne. Le chargeur tambour de 50 cartouches. Et pour finir, la crosse lourde. Comme d'hab, si jamais vous la testez, donnez-moi vos retours dans les commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir. Et moi les gars, je vous retrouve pour de futures vidéos. C'était Kigounin, et portez-vous bien.